dans l'État, en dans l'administration publique, là. Permettez-moi de matin pour faire une cloche, faire un gros coup de cloche pour moi, pour tout le monde qui prend courage à demain, qui a le travail, malgré ministre, directeur général, Maou, et qui a touché gros l'argent, qui a moyen dans le monde, qui m'a quitté le bureau. Yo. Mais, employé ça, connaît, il y a un service public pour rendre, pour même les gens qui ont une menace sur l'ancien directeur général, ministre, ça. Mais, employé, il y a débarqué un travail dans toutes différentes institutions publiques. Parce que il y a un pour bail service dans l'État. Je me demande pour saluer tout le monde dans toute institution. Qui est ministère, direction générale, yo. Direction générale ONA. Tu as demandé dernièrement là pour que ONA by service à moun qui travaille dur dans privé, travaille dur dans factory, travaille dur dans comme agent de sécurité, dans diverses administrations. Privé. Patron qui vous mettez 6% pour lui et puis vous retirez 6% sur chèque employé. Ouvrier qui travaille dans la factory. Donc, on a les gens qui ne finissent pas 80 encore. Ils sont pensionnaires. Il faut que nous payions les pensionnés de façon à ce que si l'argent ça, ils viennent pour fonctionner. Et ça fait, nous demandons à ce que. Bay possibilité pour on a fonctionné parce que pour pensionner est capable de toucher correctement et c'est très important. Il a demandé pour pas dilapider l'argent on a. Direction générale qui là, mettez l'ordre. Directrice Marie Scott, dégagez, mettez l'ordre. Même les divergences qu'il y a avec vous, mais m'a demandé pour mettre l'ordre dans on a. Continuez mettre l'ordre pour que au moins pensionné capable de toucher l'argent. Grand pile accusation qui fait. Mais c'est des accusations farfelues. De pas de preuve, à citer nom moun nan ceci cela et que chef cabinet ceci cela, moi même pas capable de preuve pour me dire que madame Marie Scott t'a impliqué ou non dans des actions compromettantes dans question ona. On pas dire ça. Pas parce que mon nom a une divergence avec lui, j'ai une divergence de vue avec lui, parce que je suis lui révoqué, pour être ça, m'obliger à talonner, à vouer monter, sous base de bagage, un trac dans la rue, à vouer monter, à parler, et que l'argent a disparu, pour me tomber à le prendre ça comme information. Non, ce n'est pas comme ça le professionnel fonctionne. Donc, je vais demander pour que l'ordre continue à mettre dans l'ONA, pour que pensionné recevoir ce chèque chaque mois. Et n'a demandé pour institution qui doit payer ona yo continuer payer ona pour que employé a parce que prend cobla sur employé faut qu'on paye ona. Très important. M'a demandé pour ba une prime spéciale, prime de risque à ces employés qui dégagé malgré en bas coup de zam, en bas coup gros coup de balle, yo débarqué vinn travail. Qui tient dans la presse? Qui tient dans l'autre institution, on a demandé pour que il y ait une prime de risque qui baille à ces journalistes, à ces travailleurs de presse, à ces employés de l'État, à ces employés de la fonction publique et privée, pour que au moins ils soient capables de continuer à fonctionner. Dans ce pays-là, l'important, même Jean la police, nous battons bravo la contentement pour la police qui fait travail ça, qui gratifie un ensemble de policiers. Qui malgré situation difficile, qui fait œuvre qui vaille. Et c'est à apprécier. Donc, on a demandé pour que le ministère, la direction générale, toutes les institutions, voient comment nous sommes capables de bailler une gratification spéciale à ces employés de la fonction publique et institutions privées. Tant que banque commerciale, bah moun yo une gratification spéciale dans dernier jour ça yo qui dégage yo quand même malgré vents et marées. Y a couru en bas coup de balle. Yo vinn travail.
pas contenté seulement nous ba un petit chèque moi mais au moins ba un petit gratification comme prime de risque parce que l'employeur a levé li vinn travail il te carrette la caille parce que la vie en danger li brandi chemin l'aller dans le travail on dit oui c'est normal pour le travail mais faut courir risque là tout quel courir donc n'a demandé une gratification spéciale pour tout employé l'état travailleur la presse et toute institution confondue dans toute qualité secteur pour nous dégager nous ba une gratification spéciale pour que au moins nous encourager nous ba qui dit et encourager Batman chien encourager chien mais là il mon non alors on encourage une expression donc ça dit que l'important pour que on va priver tout non pas rêver non faut une gratification spéciale nécessaire mais cal bay moun yo qui braver danger par exemple moun yo on a travaillé académie de police li lever là le travail en académie de police là il mérite ton gratification moun nan lever là le travail en balalu coup de balle en bas chaud masse coup de balle Delma 17 coup de balle aéroport coup de balle Clessine coup de balle quoi des bouquets coup de balle tout côté coup de balle Cafou donc n'a mandon gratification spéciale pour chaque employé dans l'état dans privé tout côté net ba on ti gratification spéciale parce que nous capable ça pas déranger rien dans l'état ni dans privé allô m'a salué madame Florestal Marie Marcel Florestal Marie Marcel madame Florestal nous saluons nous saluons tout employé Jonas au niveau du ministère de la planification et de la coopération externe. N'a salué ministre et tout le monde qui est dans le ministère intérieur, ministère éducation nationale. Nous quoi ministre pour venir, par contre il venir. Nous saluer toutes amis qui dans niveau et bien-être social que la police était obligée de reprendre contrôle et institution bien-être social là parce qu'il y a plein de monde qui besoin voyager, c'est là pour faire papier pour eux. Faut protéger institution yo. Faut protéger institution l'état yo. OK? On sait les monde qui dans niveau ministère de la culture. Pourquoi ministère toujours dehors, ministre il y a deux ministères dans même. Mes amis, c'est là faut pas dégager une cour Eiffel. Et pour au moins nous déraper pays là, pas pays à camper là. Nous dit brave faut brave prendre responsabilité, même gens prendre responsabilité ensemble avec la police pour gérer question là. Dégagez-nous. Dégagez-nous pour que nous mettez pays en mode fonctionnement. N'a salué différents amis qui à l'étranger. Alors une bonne nouvelle tout, le co désir. Et n'a salué et la victoire et un prisonnier. Ouais. Okay. Prisonnier fait président là hier. Yeah. Bon. Oh, prisonnier fait président là hier. Yeah. OK. Oui, Sénégal. Bah, Sénégal, là, tout cal de président, pas tout cal de président prisonnier, non. Ouais. La prisonnier qui n'en doit. Prisonnier politique. Ouais, prisonnier ouais. Politique. OK. Mais c'est un prisonnier. Bon, monsieur, j'ai 10 jours depuis le lagué. Okay. Monsieur bat nèg dans l'élection. Depuis le premier tour, monsieur bat nèg dans l'élection. Émotion. OK, hein? Émotion. Monsieur Rélé, et alors et c'est dans le pays que je suis allé à dernièrement là, Sénégal. Et c'est Bassirou Diomaye Diaka Faye. OK, Bassirou et Diomaye Diaka Faye. Alors président ancien président section et francophone Sénégal là et Abdoulaye et qui ses amis moi monsieur félicité et li bat bravo la contentement pour victoire ça et l'aime dérivé Sénégal m'a demandé et sénégalais yo côté opposant yo côté opposition parce que et président et Macky Sall t'es gagné un ensemble de monde niveau et candidat et puis on a dit côté opposition pour nous dire président candidat pour président et candidat l'opposition la prison nous disons oh et ben faut la guider gars monsieur qu'on est à la même mais pendant que venir à Louko élection venir reporter sous menace française tout qui mandé international là mandé faut que libérer monsieur pour élection capable équilibrer et puis libérer monsieur et puis pour gagner élection monsieur Batnego dans toute tête hier. Ouais. Donc et Macky Sall pour aller remettre pouvoir by et Bissau qui lui-même et gagné élection hier monsieur saute en prison alors il était arrêté monsieur pour question et violence politique OK violence politique au Sénégal donc il était accusé monsieur
comme moun qui fait pays à cap mettre chalet fait l'obéi parce que manifestation a fait contre gouvernement place là donc monsieur il était dans l'obéi avec gouvernement et puis il a arrêté monsieur et puis monsieur qu'on y a là pour prison on y a là mais sous pression internationale il a libéré monsieur Yoko et peuple a sorti en masse même 80 000 moun et sénégalais cap vivent en France à voter monsieur bon ça veut dire que monsieur gagne élection donc hier monsieur gagne élection bah ça et depuis le premier tour monsieur gagne élection donc son prisonnier qui fait gagner élection là. Donc on a besoin d'une élection à la prison. Et pas tout calme des prisonniers, non? Et pas tout calme des prisonniers. Non, parce que... Et bien, bah, en Haïti, tout, parce qu'on y a la prison en Haïti. Bon, sentiment pour mon égale à la prison. Non, ça arrive plusieurs fois. Oui, le Joseph, c'est comme ça. Un prisonnier politique. Oui, prisonnier politique. Un prisonnier politique. Oui. Et sorti dans la prison, et il a gagné, s'il a gagné, sous quitter le candidat. La fait politique, il est en face, il est en opposition. Par exemple, c'est un bon monde qui vient candidat, non? Un monde qui a fait politique, que vous faites un abus, ou arrêtez parce que vous avez une position politique. Oui. Ça arrive tout le temps. Soit on met ton dossier sur tout le côté. C'est pas émotion, lui. Et c'est pas pour ça, pas émotion. C'est pas émotion. Parce que politique, fait politique, il a vu une profession. On est qui a 20 ans, 15 ans, 20 ans qui a fait politique. Alors, si on est qui a connaît, il a une parole, il a une parole, il a un rendez-vous avec la population. Il a une parole, il a un coin là-dedans, il a un campé sous lui, il a un gagné là. Donc ça veut dire. Mais faut que nous sommes. Donc, il est humain. Alors, dans la situation, ça, et dans l'opinion, il faut toujours comprendre que c'est un abus à faire mon ça. Et puis, il vient automatiquement, donc. Et gagner ses parties, mon sa yo. Oui. Mais vous dites dans l'opinion. Oui, dans l'homme de l'opinion. Dans l'opinion. Dans l'opinion. Alors, on est en position politique. C'est quoi pour Donald Trump? Bien que Donald Trump, il est au prochain, mais il y a des gens qui croient que c'est un aidé que Joe Biden n'a pas fait d'elle. Oui, Trump comme ça. Comme ça. Alors, nous, par exemple, dans le pays, nous, nous avons gagné. Nous avons gagné, lui, nèg qui était capé en face du valier. On est quand vous êtes Théodore, par exemple, s'il te arrivé. S'il te candidat, s'il te arrivé. C'est pas pour opinion. Ça dit que nous avons une position là pour nous. Communiste, nous sommes communistes, nous avons une position là pour nous. Nous avons une bagaille. Donc c'est. Très bien. C'est l'inou. Très bien. Nous avons une ligne. Très bien. Ok. Alors, bon. Et John Seeker qui fait me connaître que un ex-prisonnier politique est devenu président au Sénégal. Un ex prisonnier sera président d'Haïti. un futur président politique. Un futur président sera président aux États-Unis. Merci, mon père. Et père à tous les vous et salut au DP. Et les chemises qui sont à belle couleur. Les aller avec Rameau. Nous connaissons hier dimanche, c'était dimanche de Rameau. Dimanche de Rameau. Vous avez des souvenirs nous. Non, je ne sais pas. Salut Benz Belabre qui sont si bon pile pour mater débat. Gagné Madsen Saint-Il, Darlene depuis la Guyane. Nous avons tout le monde la Guyane, tout le monde Martinique, Saint-Martin. Et qui branche Michel Martin débat. Et dans le moment ça, nous avons Hébert qui est branché, Nekot Plage, bloc 18, ok? Nek Tony Mix et Tony Mix. Et Timel Chapeau. Ce que le président nous a parlé là, nous devons en fait souligner pour nous, ce n'est pas la première fois, mais ce n'est pas le premier monde qui sortit dans la prison du président. Par exemple, en Afrique du Sud, Nelson Mandela, et tout récemment, là, Lula Sotfel au Brésil. Lula pour corruption, il faut le dire. Oui. Pour corruption, il a arrêté monsieur pour corruption. Yeah. Oui, on a dit pas pour politique, non, pour corruption. Bon, mon gars dit qu'il n'a pas bien fondé, mais quand même. Elle est sortie de la prison et puis il est bas. Oui, prison politique. Privé de Feldou. Oui, prison politique. Oui, privé de Feldou, privé de son ancien prisonnier. Mais Amzoula, pour qui ça privé là, vous grâce à Delva Feli. Grâce à Delva Feli. Non, il va être dans la prison. Elle a été déportée là. Il va mettre la gomme. Non, il va mettre la gomme. Haïti va déporter. Non, Haïti va. Non, Haïti pourquoi déporter, gars? Non. États-Unis déporter. Non, mais ça sont l'autre bagage. Mais sont l'autre bagage. On va parler là. Allez. Non, mais États-Unis déporter un Américain. Un Américain. Vous en Haïti. Ok, monsieur. Où t'as pour bailler États-Unis? Non, pendant qu'on a parlé, monde qui fait prison, président pays.
Ouais, Guy Philippe, tu as refait l'histoire. Qu'est-ce que tu m'as posé? Où est-ce qu'il y a aussi mon homme en merde? Où est-ce que tu as décidé de parler de Messi ça? Je dis à même, ni Guy Philippe, ni moi, je prends plaisir moi-même. Je dis à là, je prends tempo. J'aime citer nos mounsa ou même dans l'émission PAM pendant un nombre de temps. Une question posée, juste une question. Guy Philippe, moi Jean-Charles. Oui, oui, Ben Haïtien. Guy Philippe, moi Jean-Charles. Ok. Et ça, il n'a pas cité nos noms encore dans l'émission. Donc, de vous faire prison, le président. Jusqu'à cette élection. Vas-y, de vous faire prison, le président. Moi Jean-Charles Guy Philippe. Ah oui, t'as les billets, Ben Haïtien. Ok, insiste en persistant ou mais pas la donne, l'ou qu'on est joué. Pas très n'aime non, bon ça. Ok, pas de problème. Mais fais silence. Ok, semaine ça a remarqué que il y a un peu les commentaires négatifs qu'a fait contre le co-désir. J'ai aucun problème avec ça. Faut que je dise ça, ok. D'ailleurs, moi, habitué avec ça déjà. Ok. Alors, moi, je viens sous question ça maintenant. C'est parce que justement, pendant le week-end, là, on a terminé ce semaine. Il y a une information qui est passée dans l'émission Matin Débat. Et il y a un qui a rapport à le 1er à 3 avril qui parlait de et troupes probablement donc les Américains ont voué en Haïti. Il faut que nous que nous avons des sources qui sont crédibles. Ok? Nous avons des sources qui sont crédibles. Et il y a une information qui a changé à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Pas oublier. Dossier envoi des troupes par les Américains en Haïti. Hein? Ok, nous songez que il y a un général commandement sud-armée américaine qui c'est Madame Laura Richardson. Il était clair sur ça et information ça t'es pratiquement fait tout réseaux sociaux. Donc une information capable de changer à n'importe quel moment. Donc l'ennemi source nous assure que source là est crédible parce que c'est pas première information que source là bah nous. Ok, donc ça a toujours arrivé que et information changé. Bon, bien entendu, c'est information que nous suivons tous nous-mêmes ici, donc dans l'émission Matin Débat. Nous avons besoin de faire point ça, et qui est très important. Et comme on dit, les gens qui ont fait commentaire négatif, ça ne va pas déranger, ça ne va pas arriver sur nous. Même pas quoi que je dis en tout. Et nous adorons à focus sur question et polémique, nous fait commentaire négatif sur nous. Parce que dans ce pays, là, mes amis, madame, monsieur, comme before moun ka fait commentaire négatif yo before la dans la diaspora goyé. OK, il très facile pour moun dé en téléphone ou faut commentaire négatif ou m'aider en computer ou faut commentaire négatif mais pas qu'en réalité. OK, ça gain là soutenir Haïti ou pas qu'en réalité peuple haïtien ou pas qu'on elle nous menons émission Matin Débat, nous avons une mission et nous gon responsabilité, sinon nous pas place chaque matin, sinon nous pas faire tout sacrifice ça pour nous là chaque matin. Quitte pays était bon, quitte pays pas bon. Sinon, nous allons faire tout sacrifice ça chaque matin, ok, pour nous assurer que nous comprenons ce qui a passé pratiquement dans le pays. Et Matin Débat jusqu'à présent, il y a une plus grosse émission qui passait dans le Sahara. Donc, sur antenne radio, éclair, également sur toute façon radio qui relayait l'émission Matin Débat. Nous avons une audience qui est assez large, près de 4 millions de monde, donc presque chaque jour. Donc, nous pas capables de vous dire, pas assumer. Ok, ça nous dit, ça nous fait dans l'émission Matin Débat. Donc c'est notre responsabilité et je bah, crois que nous-mêmes nous là tout, nous capables d'encourager ou du moins et des mondes qui croient en destruction, ok, qui croient en démolition. Nous pas encourager des mondes tout à vous monter sur l'autre monde. Nous pas faire ça dans l'émission Matin Débat. Et puis Matin Débat, n'oubliez pas, c'est une émission avec 4 mondes, 4 panélistes. Chaque monde a une façon que le web a eu. Chaque monde mon gens qui est capable de réfléchir. Donc ça fait que Matin Débat c'est le débat contradictoire. Et ça y a une loi composition. Moi-même le codésime une composition. Permettez d'avoir toute composition. Galet Gladimi composition. D'ailleurs c'est ça qui fait garder l'ambiance de Matin Débat. C'est lui qui permet que ou même tout ou entrer dans le débat. Parce que nous pas jamais les mêmes positions. Parce que nous pas même monde. Nous chaque quoi bagarre gens. Au final nous allons toujours entendre nous sur des points communs. Ok. Mais non question on dans débat émission Matin Débat. Donc chaque monde composition et je crois que c'est ça qui fait
et force émission Matin Débat. OK. On allez. Semaine ça donc on va continuer à remarquer que gon isolement que y a ba Haïti là. Vous voyez remarquer ça monsieur. Gon isolement y a ba Haïti là. Même Haïti pratiquement on croit que gon démarcation que plusieurs pays a fait là sur Haïti. Mais hier soir pendant que m'a réfléchi, m'a dit que est-ce que ça a permis à tête à toute c'est pas en forme d'embargo que lié. Les portes ont fermé. Oui. L'ambassade oui. A fermé dans le pays. Voilà. Des pays qui mettaient des restrictions qui empêchaient Haïtiens d'entrer la caillou, même si ils sont légal. Je dis à un pays, permettez la toute. C'est un bagou. Non, est-ce que, justement, est-ce que c'est pas en forme de bagou? Oui, c'est un bagou. Oui, sous forme de bagou. Alors, c'est parce que Pavlo dit en bagou, oui. Correct. Qui fait pas mettre en bagou. Pas mettre en bagou, oui. Mais sous forme même de bagou. La position par nous en Haïti, c'est pour nous interpréter. Comme on embargo yobanou qui est plus bon pour Haïti. Ouais, très bien. Parce que non méchanceté mon affaire, pas qu'à démocrate. Mon n'a pas fait démocratie avant ou même moi propose ou répondre à démocratie. Non. Vous comprenez? Mais oui, parce que nous pas gain zam pour nous sur mon ni wash. Le l'homme on fait mal, c'est pour au moins carré l'amour. C'est bouche pour gain pour l'amour. Et pas rien encore. Donc effectivement son embargo. Donc là, mon informal ou pas qu'à comprendre. Si c'est un bagot, si c'était bon, un bagot 3 mois, t'as qu'on a un bagot 3 mois. Ça n'a pas même dit combien de temps. C'est constaté qu'on t'a constaté. Voilà. Parce que madame, écoutez, c'est ça qui fait matin débat. Gaz là, il n'est pas certain. Sur l'air comme ça, autant de courir par un gaz. Oui. À n'importe quel moment, autant de par un gaz. Oui. Ok? Je dis à madame, monsieur, ou plus souhait que. Parce que des produits qu'on pas qu'à venir sous marché là, je veux dire là. OK, sous forme de bago. Li parle de bagay. En tout cas, mais peuple haïtien, faut que m'dine son peuple qui je dis là, son peuple de résistance, son peuple de résistance. Et m'a pas nous mentir. Et c'est toi Pek Baoul. Et toi Pek Baoul. Toi Pek Baoul. La France au Canada et États-Unis. Oui. Et puis c'est Domingue qui est là dans nous. C'est Domingue l'ambassade sur bagaille revanche. Tout bagaille contre Haïti, c'est Domingue a toujours là. C'est 21 années boyer qui fait que n'importe bien et grande puissance a fond bail ou même a corroborer ça faire. Et vous pas oublier ça. Mais peuple haïtien madame monsieur, c'est comprendre que yo pas comprendre peuple haïtien. Est-ce que je dis à la résistance peuple haïtien a fait là je dis là, gagne peuple sur la terre, si on était dans situation ça, est-ce que on va périr déjà? Je dis à écouter. C'est pas Haïti, non? C'est pas le peuple qui a demandé pour résoudre le problème de sécurité, non? C'est parce que vous avez fait Haïti trop. Vous avez fait Haïti trop, madame, monsieur. Quand vous avez commencé à prendre décision, vous prenez décision comme général, il y a porté solution. Alors, c'est ça qui est dur. Moun, c'est lui-même qui a problème, non? Et puis, c'est lui-même encore qui a pensé porter solution. Vous pensez que Haïtien a vivre avec gang? Vous avez couru, il fait quitter le cafoufeu parce que vous. L'État pas prend en charge. Il y a le lycée, il y a vivre. Mais écoutez, et qu'on y a un ministère communication. Qu'on y a un ministère communication, est-ce qu'on a permis dans tout? C'est pas écoutez, c'est vrai que c'est Ariel Henry qui lui-même pour faire politique lui, si écrit sollicité pour troupes venir dans pays. Mais c'était pour peuple là, peuple pas besoin de troupes là. Peuple a fait confiance à la police. Peuple pas demandé monde venir là. Peuple pas demandé pour l'État permettre que les policiers aient moyen, ok, pour mater bandits, pour l'armée d'Haïti, donc ils ont été battus à la face aux bandits. Et ça, le peuple a demandé. Malheureusement, tout ça que le peuple a demandé, chaque fois qu'il y a des bagages, il n'y a pas jamais d'entendre. Il n'y a pas jamais d'entendre le peuple, madame, monsieur. C'est comme ça, tout ça que le peuple a demandé, tout ça qui a bon pour lui, et puis ce n'est pas lié au fait. C'est quand que son gouvernement en face du peuple haïtien. Son gouvernement en face du peuple haïtien. Oui. Donc il a dit que la bataille face à peuple haïtien, son bataille qu'il a depuis après l'indépendance, depuis 1804, madame, monsieur. Donc, moun yo pa ka comprendre le peuple haïtien. Et puis, écoutez, le peuple haïtien est intelligent. Mais matin, haïtien, son peuple analphabète. Donc, en pile, moun yon pays pa kon li, ou d'accord? Oui, comme ça. C'est ça lié. Ok? Et libal pronostiqué pour nous sortir dans ça. Parce que génération va changer, condition de vie va changer. Ok? Go génération qui pratiquement perdu déjà, qui se maman ou papa ou baïsao, est-ce que là? Moun sa yo. Ouais que vous pas de conne li, puis faut la de yo.
OK, ou t'es dit génération qui vient après là, il faut pas fait, il prend l'école. Eh bien, génération ça, il subit même tort, même sort que maman papa ont subi la génération pas là. Et ainsi que je dis à ces mêmes bagarres là, madame, monsieur. Mais pendant que nous dit peuple haïtien pas connu, mais peuple haïtien intelligent. Est-ce que vous n'êtes que tout le monde, tout haïtien connaît l'Éternel est mon berger? Je ne manquerai de rien. Est-ce qu'on a? Ben oui. Tout haïtien connaît tout son mieux net, oui. Et puis, bah, comment il fait apprendre? Parce que. Il t'en et ça, son goût faculté. Les gens qui attendent, les gens qui apprennent leur parole avec l'étendue, son goût faculté. Si ça fait que l'idée par nous, c'est de mauvais leaders, madame, monsieur. Parce que l'on dit peuple là, pas un quartier à venir. C'est vrai que là, donc, il n'y a pas quoi. Mais, depuis là, donc, il n'y a pas quoi, oui. Non, donc, si vous ne pouvez pas faire des émissions, vous avez pile qui te quoi. Qui te quoi, est-ce que vous comprenez? Parce que, pas oublier, madame, monsieur, peuple haïtien, c'est vrai que il n'y a pas qu'on lit. Quand pile là, donc, pas qu'on lit. Mais autant de. Mais plus autant de, faut dire un bagage qui bien. Faut dire un bagage qui bien. Parce que tellement peuple haïtien prend un menti, il prend un bluff. Je dis à un vinantisien, réticent, ou qu'a dit de belles bagailles. Et puis, il n'y a pas quoi là-dedans parce qu'il y a tellement prend bluff, il y a tellement tendé des bagailles. Donc là, je pense que c'est très important, madame, monsieur, pour nous réfléchir. OK? Sur l'avenir du pays. OK? Sur comment nous-mêmes nous sommes capables de gérer le pays. Parce que c'est très important. Parce que nous avons fait là. Moi, je te dis que nous perdons le pays. Effectivement, nous perdons le pays. Mais je pense que je dis, si nous comprenons que nous la situation, nous pouvons entendre nous son bagage. Nous pouvons entendre son bagage pour nous capables de changer le pays. Chargé, bah, il était chargé. Nous quand on entend son bagage permettre tout pour nous changer pays. Un pays était chargé, tout bas était chargé. C'est problème, c'est pour problème ça que dirigeant nous ou bien moun qui c'est problème ça toujours gagne. Ou gagne l'impression pour moi même premier bagage là c'est parce que nous tellement pas gagne moun qui honnête ou du moins moun qui honnête yo dans classe politique là, yo tellement minime que yo pa gen sa n'ta capable les représentativité. Yo tellement pas en pile. Ou gen l'impression c'est son paquet matoman blofè qui en a fait blofè. Tout moun kon tout joueur kon ki kat ki nan met tout joueur. Yo n'ba fè l'autre confiance. Et ça qu'faut est jusqu'à m'dou ba ça. Des fois m'kon a réfléchi, m'a parlé m'kon presque fou oui. Les m'a garder constitution, les m'a prendre m'me déposer l'autre côté oui. M'kon commence à m'me déposer l'autre côté, m'énerver. Parce que ça n'a pas vivre là comme crise politique. Il était supposé résoudre déjà pour pita 3 jours. Nous pas d'arriver là, mon frère. Nous pas d'arriver là. Après, et puis constitution claire, oui, frère. Nous pas d'arriver là. Constitution claire, oui. Claire. Il dit comment crise a de résoudre, oui. Claire. Claire ou claire rose. On a lu. Bon. Comment le résoudre? On a lu. On a lu. Bon, ben, petite réflexion là. On a dit, ok. Et Haïti politique, quel est donc l'avenir du conseil présidentiel? En tout entrer, monsieur. Oui, bah, il faut connaître que madame président et Kenya, ils montent au comité de prière pour soldats qui viennent là-haut. Ils vont mourir. Il y a toujours venu. Oui, il y a toujours venu. Il y a toujours venu. Il est partout. Il est au comité de prière. Non, bagay. Par contre, li ou se di a la loko, faut de nous pousser réflexion plus loin. Eh bien. Parce que responsabilité négative, élection nous, est toujours chita, nous pas qu'à une solution parce que c'est toi qui as moun qui par contre li qui votait. Eh bien. C'est pas ça que vous dit? Eh bien, eh bien, eh bien. Même fait ça qui rive chaque fois qu'il y a une élection nous parce que c'est 3-4 monde qui pas contre lui qui décide ouais. Avenir pays parce que faut que nous connait ça les monde n'a voté c'est lui qui décide c'est vote qui a décidé avenir pays même bagaille ça a passé entre haïtiens qui connait lui et l'international très bien. Non mais soit regarder mes matières d'attente. Mes matières d'attente soit regarder. Puis faut ne qui fait toi pays, c'est des gens qui
qui connaît lui, qui connaît lui, oui. Le monsieur qui fait quoi université, ben oui. Monsieur, où est problème Haïti? Les docteurs, quoi université, c'est docteur, c'est celui docteur là. Écoutez, écoutez. Puis puis font nèg qui fait pays à mal, c'est des nèg qui connaît lui, c'est intelligent. Écoutez, même action. Puis ça est nous même qui journalistes, nèg qui connaît lui a dit mais ton pays à c'est dans vote parce que trois cas haïtiens pas contre lui, pas contre comment pour voter, pas contre. Okay. Écoutez, bah il est arrivé entre Haïtien qui contre lui et l'international. L'international. Monsieur, c'est pas un code. Nous pas un code là. Nous pas gagner, nous pas wel. Mais c'est quoi son code international là, mettez. Ah bah nous. Non, non, coup 7 ou 9 Haïtien après dit. Oui, c'est clair, c'est clair. Yo pas connu ça international besoin, ça l'a cherché, yo pas connu. Comme si yon couru, y accepte aveuglement après que nos bagailles qui yon pas gen habitude, qui pas qu'on fait du tout. Comme si tout cloné, la cloné dit mes amis, non, pas fait le ça pas entrer là-dedans. C'est aller dans la cassation, gon minimum, après, c'est là que j'ai un minimum de respect, de justice. On nous fait tout ça. Yon pas attendre jusqu'à ce que nan figi tout le monde qui pas contre lui, yon tombe goumen. Yon tombe goumen. Une rencontre doit se tenir aujourd'hui à 3h p.m. OK. 3h p.m. entre les dirigeants de la CARICOM okay. et les personnalités désignées pour former le conseil présidentiel. Avant été compris. Les mécanismes de fonctionnement. Hier, tu étais en travail sur mécanismes de fonctionnement, il y a eu le moins. Dans les on parler de lui et du CP, conseil présidentiel et modalités nomination. Nouveau Premier ministre, qui donc après-midi a commencé à déraper avec question et mécanisme pour capable choisir Premier ministre. Très bien. Maintenant, et qui doit constituer menu de cette réunion. Très bien. Hier après-midi, pendant plus de 3 heures, représentant CPA et a élaboré un document qui a servi de base à l'encontre ça jeudi à la. À 3 heures. Alors, gagnant et dans le cadre. Alors, madame, monsieur, nous avons point quel est donc l'avenir du conseil présidentiel. C'est la donne que nous la matin. Donc, personnalité, alors ça qui vient à voir la question de et mécanisme de fonctionnement, moi, tu as vu que dans ça, je vais un draft, ça, je vais vous par contre, c'est le finalisé. Ok. Je mettais que pour remettre le pouvoir, yo même, pour remettre le pouvoir, 7 février 2025. 7 février 2025. Donc, ça veut dire qu'en 2024, tu as gagné l'élection. Élection. Très bien. Par contre, c'est. Intéressant. Donc, ça veut dire que là, en pile question m'a fait. Correct. Elle fait son petit bout de temps avant qu'il fait pour. Non mais élection, pas pas pour aboutir. Moi beaucoup elle m'baconnait. T'as écouté? Qui est-ce qui parle dans l'élection? Ce sont les partis politiques. Correct. Les 7 membres qui là, ça représente les 7 partis politiques également les plateformes. Ok. Et puis c'est simple. Parce que tout problème qui dégaine à faire élection sous Jovenel également sur Ariel, c'est parce que parti politique yo, il dit que n'a pas parlé l'élection avec Jovenel, il pas parlé l'élection avec Ariel Henry. Maintenant, si parti représenté dans le conseil là, d'ailleurs, c'est une question de tout le monde jeune, ok? Donc là, tout le monde jeune. Tout le monde jeune. Là, c'est une question du conseil électoral provisoire, il va monter rapide. Rapide. Et puis, tout le monde va être d'accord. Donc là, il n'a pas organisé l'élection dans 7 mois. Oui, il est capable. Mais Louko, dans le contexte là, là, ou quoi? Monsieur, si on a regardé soit faire bandit, ok? C'était pour faire bandit, bandit, pas jamais l'élection dans le pays. Parce que la question bandit n'a pas fini jeudi, il va finir demain matin. Ok, m'a regardé et bandit contexte sécuritaire là et CEP. Infrastructure. Voilà. Pour rétablir sécurité là dans le pays, à moins que cet agent Antonio Guterres te dise, c'est une force robuste, la prendre un petit temps. Maintenant, je songe en 2021. Mais moi, America pour moi quand même. Bon. Moi, oui, une force robuste. Ouais, moi, si ce n'est pas ça, les affaires pour. Assainir. Voilà. Assainir. Deuxième bagaille. Oui, deuxième bagaille. Et en 2019, nous avons fait une entrevue avec Rosemont Pradel sous organisation élection, etc. Et l'ité dim comme technicien nous sommes lycéen secrétaire oui l'ité dim techniquement la mise en branle du CEP pour mettre le sous place depuis le fin sous place pas oui et lui mais ça faut me citer ou me citer OK la besoin 6 mois après la mise en place du CEP pour
préparer cadre illégal pour mon aller l'élection épurer liste électorale bagarre radote a besoin 6 mois là nous déjà en mars entre avril à octobre quoi c'est dernier dimanche octobre élection supposé faire selon constitution donc n'a gitan avril à septembre fait 6 mois c'est pas trop maintenant octobre pour élection faite et campagne là campagne électorale là en tout cas et mais pour question de sécurité, ça c'est blablabla, bla, bla, ou force robuste, boum. Moi, je pense que c'est une volonté réelle, donc capable de gagner l'élection pour un nouveau président de la Valéa le 7 février 2025. Cependant, fort monsieur, dame qui est dans le conseil présidentiel, ça n'a pas fait erreur que Ariel Henry te fait avec l'équipe de l'accord du 21 décembre. Si on connaît que n'a pas réalisé l'élection 2024, ou la permanente dans tout, et que n'a pas capable de mettre pouvoir à un président le 7 février 2025, que vous ne mettez pas sous papier de façon à ce que le 7 février arrive pour pas un problème. Il a dit ça dans le papier. Ça a dit. Il a dit ça. Il a pas gagné le droit à prolongation. Mais c'est 7 tout. Février après le pouvoir. Mais faut prévoir tout. Si 7 février n'est pas arrivé, réaliser l'élection d'après. Alors, par contre, si après, ouais, si après, ouais, texte là qui écrit, non? Mais oui, selon ça, mon hier, là, oui. Ok, qui t'a fait débat, et selon texte à moi, okay. Moi, que il dit après le pouvoir, 7 février 2025. D'accord. Ok.